Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois, donc ça veut dire je l'ai laissé sur cette fin de guerre là. Donc au final j'ai fait quelques petites guerres aux alentours hein, parce que j'ai dû essayer de comprendre entre temps le patch comment il s'appelle, j'ai plus le numéro, le patch 2 qui est sorti, la version 2.2 du jeu qui est sorti récemment. Et je vais pas vous mentir, j'ai fait plein de tests, donc c'est pas la première fois que je refilme là, hein. Donc je dois être à ma 20e prise, pour comprendre comment et qu'est-ce qu'a modifié ce patch. Et pour l'instant, le plus gros changement que j'ai vu, c'est quand même, c'est pas un petit changement quand même, c'est que l'influence qu'on a, je commence dans le sujet, maintenant on a des... En fonction de notre compétences martiales, on a plus ou moins de troupes. Quelqu'un qui a une mauvaise compétence martiale, il a un malus. C'est-à-dire qu'on a un bon, il a un bonus dans ses villes. Et la base, c'est 10. Donc vous vous dites, voilà, 10 c'est la base. Si vous avez plus, c'est bien. Si vous avez moins, c'est moins bien. Et le petit problème, parce que c'est quand même un problème, faut quand même le dire, c'est que la majorité de vassaux ont, pour la grande partie d'entre eux, un niveau martial assez faible, voire nul. Et c'est un peu compliqué de tout garder vos troupes. Hein. C'est gérable, c'est pas impossible, hein. Dire au contraire, ça serait une grosse connerie. Mais il y a plus facile, il n'y a pas à dire, il y a vraiment plus facile. Donc je voulais vous dire tout de suite, et ensemble nous allons découvrir vraiment ce patch. Et pour découvrir ce patch, moi j'ai envie de dire, rien de mieux que quelques guerres. Hein. Bon, juste avant de reprendre, je regarde mon arbre de royaume, je peux avoir 96 000 hommes. J'ai déjà 32 000 hommes avec ça, et je peux en sauver 15 000. Quasiment 16 000. Et la question que je me suis posée en fait, avec cette mise à jour, c'est combien d'hommes est-ce que j'ai réellement perdu en fait. J'ai pas pu me permettre de regarder toutes les vidéos que j'avais précédemment fait. Donc si jamais une personne qui est au courant, un petit commentaire sur cette vidéo, ça serait sympathique, que je sache près la différence que j'ai en fait. Pour avoir un peu un ordre d'idée tout de même, parce que c'est gênant. Moi je le nie pas. J'aurais préféré que le notepatch soit quand même mieux détaillé que ça. C'est assez flou dessus. Bon, ça va encore, ça pourrait être pire. Bon, autre changement aussi majeur, c'est que maintenant, les débarquements amphibies, vos troupes n'ont que 50% de leur morale. Ceci pour éviter le... J'ai une grosse flotte, je débarque tout et je gagne. Justement, pour donner, encourager les... Oula, faction dangereuse. Pour justement encourager les... Un peu les minimums, hein. Faut dire ce qu'il y a. Ouais. Pour éviter en fait tout ce qui est les petits problèmes de... Quand on a une trop grosse armée en fait, le gros problème, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on peut débarquer où on veut, une fois qu'on a organisé notre armée. Et on démontait malgré malus. Là on a un malus pour débarquer. Malus c'est quand même c'est quand même pas rien hein. Et en plus d'avoir le malus, ce malus là, vous avez un malus assez important là sur le moral. Donc en gros le débarquement amphibie est vraiment à exclure hein. Non, arbitraire c'est nul que... Ça, le singe, hein. Voilà. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas rejoué au jeu, je vais pas vous mentir, donc dur de s'y remettre. Juste avant en fait de rejouer, j'ai regardé ce que j'avais et je sais que j'ai une revendication dessus. D'après ce que j'ai compris, j'essaie de regarder un peu ce qui s'est passé.
C'est que j'étais marié au à l'héritier. Il y a eu un mort. Il est mort par la suite. Donc je peux revendiquer ça, je sais pas pour quelle raison tordue encore. Hein. Il y a tellement de motifs différents que je sais pas pourquoi. Je sais plus. Je vais pas vous mentir, maintenant j'ai de plus en plus de mal à. J'ai vraiment de plus en plus de mal à comprendre l'histoire avec les mariages, pourquoi parfois on peut revendiquer un royaume, pourquoi parfois on ne peut pas le revendiquer. Bon, voilà, là je suis vraiment perdu à ce niveau-là, donc je m'en excuse, hein, je pourrais pas vraiment vous expliquer dessus. Mais une chose que j'en suis sûr maintenant, c'est qu'il faut éviter de faire des gros débarquements navals. Hein. Bon, les comporteurs, c'était bien, c'était sympathique. Voilà, on enlève notre armée. Bon, autre changement majeur, voilà, c'est vraiment un peu là, la partie explication du nouveau patch. Enfin, de ce que j'en ai découvert pour l'instant. C'est que la cavalerie contre les villes, j'ai déjà dit que c'était peu efficace, voire même inefficace. Maintenant, n'espérez même plus sans avoir de lourdes pertes. Hein. Vous oubliez complètement l'idée de cavalerie contre les cités parce que c'est quoi perdre beaucoup de troupes pour pas grand-chose du tout. Voilà, c'est. Là, il faut être honnête, c'est devenu vraiment une assez grande catastrophe ce bordel. Bordel dans le sens que. Dans le sens que le patcha il le fallait. Je vais être honnête, il y a des trucs qui n'allaient pas dans le jeu. Malheureusement, ils n'ont pas corrigé tout ce qui devait être corrigé. Du genre, a-t-on corrigé le problème pour jouer en multijoueur? Non, pas du tout. Voilà, ça c'est dit, c'est net, c'est clair. Ce n'a pas été corrigé. Et franchement, moi ça m'énerve. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans le jeu qui ont besoin d'être corrigées. C'est plus que des détails quand même. C'est vraiment, il y a plein de petits points qui vont pas pour l'instant sur le jeu. Et les personnes qui le développent, c'est déjà, j'ai envie de dire, le fait qu'ils aient mis un tel patch, moi j'ai envie de dire, c'est déjà énorme. Moi j'adore ce patch. Il m'en fallait bien parce que. À des moments il y a des trucs qui allaient plus à force. Hein. À côté de ça, il y a aussi un truc qui va pas. Siège ici, siège ici, siège ici. Faut que j'aie une armée. Faut dire aussi ce qu'il y a, c'est que c'est sympa qu'il nous sort des patchs, mais qui corrige déjà en fait vraiment les gros défauts qu'on parle depuis un long moment. Sur les forums, c'est pas de la veille en plus. Il y a des trucs que je vous parle là, c'est ça fait un moment qu'on en parle pour ceux qui jouent à ce jeu-là, pour jouer en multijoueur, mais c'est une catastrophe. C'est difficile. Moi, je vais pas vous mentir. J'arrive une fois sur 20 quasiment à jouer en multi. Enfin, j'ai pas essayé depuis le nouveau patch. Donc peut-être ça a été corrigé. Donc ceux qui jouent en multi à jouer là, depuis le nouveau patch, ce serait sympa de me dire comment ça se passe maintenant. Mais au dernier moment que j'ai joué au jeu, c'était une catastrophe. On a voulu faire une partie entre amis. On s'est déjà débrouillé pour avoir exactement la même version. Parce qu'on a quelques quêtes après. Pour avoir exactement tout pareil, eux ça ne marchait pas non plus. Hein. Avec tout ce qu'on a fait, ça n'a pas suffi, donc au final ça n'a pas marché. Donc certains vont dire c'est pas grave. Moi j'ai envie de dire, certes on a peut-être pas tous joué au multi du jeu, mais au moins qu'il soit viabilisé et que ça soit jouable, j'ai envie de dire c'est quand même un strict minimum.
suis pas quelqu'un qui en demande beaucoup ça, hein. Je demande que le jeu soit viable. Et qu'on ait toutes les options qui marchent. Et là je suis désolé, l'option de jouer en multijoueur n'est pas, ne marche pas. C'est net, c'est clair, l'option ne... J'ai un gros coup de lag, je m'en excuse, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai un coup de lag là. Attendez, je regarde s'il n'y a rien qui tourne en arrière-fond. Donc j'ai rien à faire là, le jeu lag. Voilà, voilà, voilà ce qui se passe aussi, ça je voulais pas en venir, mais malheureusement c'est que ça lag de plus en plus sur ce jeu. Et c'est une catastrophe. Regardez, regardez, le jeu n'est même plus fluide. Je suis à moins de 10 FPS. Attendez, faut arrêter de déconner là. Le jeu avant le patch j'étais à 30 fps continu, maintenant je suis à 10. D'accord. Bon ben on n'a pas le choix, hein. Option du jeu. Détail graphique, hein. Je suis désolé pour vous, mais on n'a pas le choix. Ah, il faut redémarrer le jeu. Il faut redémarrer le jeu. Ah non mais génial. Non mais. Voilà mais. Mais là c'est un truc, je suis désolé gars, je vais vraiment là, faire mon gros salaud sur ce jeu. Mais faut être honnête. Un jeu, je ne demande pas beaucoup sur le jeu, je demande que quand on met des fonctionnalités, ça marche. Et moi ce qui m'énerve le plus dans un jeu, c'est les personnes quand ils font le jeu. Voilà. Et là ça remarque, c'est revenu. Merci à Fluidité. Ce que je demande, c'est que moi, c'est pas grand chose quand même que je demande à un jeu, c'est que je demande que ça soit, le jeu soit fluide en permanence. Quand je dis fluide, c'est forcément à plus de 30 images par seconde, que ça cadre pas. Mais les développeurs, parfois, quand ils sortent des patchs, de base, le jeu, parfois, il marche très bien, ou part pas du tout, et on est obligé de patcher. Bon, ils corrigent le problème. Parfois, c'est l'inverse. Ils patchent le jeu, on se dit c'est bien, ils ont patché le bordel. Le jeu est plus buggé après avoir été patché parce que maintenant on a des chutes de FPS. Et moi, personnellement, c'est... C'est inadmissible, faut dire ce qui est. Pour moi, un jeu... En tout cas, comme je constate comment doit être développé un jeu, le jeu doit être... Doit... Attendez... C'est où ça? Tartarie. D'accord. Donc ce que je demande moi à un jeu quand même, c'est... Je demande pas beaucoup quand même à un jeu. C'est que quand on dit un truc sur le jeu, quand on développe tout ça, on tient ses promesses. Par exemple, on dit que le jeu on aura ça dans le jeu, telle fonctionnalité, telle autre fonctionnalité. Ces fonctionnalités doivent être présentes. Moi je considère que ça doit être présent au dernier moment. Quand le jeu sort, ça doit être présent. C'est rien du tout ce que je demande. Non, 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 il n'y a plus rien. Hop. C'est quand même pas beaucoup, je demande. Je sais pas vous, je sais pas vous. Donc voilà. Mais je pense que dans un jeu, on a quand même en droit d'avoir un minimum. Voilà, comment on va dire. On a le droit tout de même à un minimum de jouabilité dans un jeu. Encore que le jeu a des moments où voilà, il y a des problèmes, on ne peut pas y accéder. Par exemple, on n'a plus de multi, voilà. Ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, moi ça me gêne pas, ça. Pour moi c'est même pas un problème, faut être honnête. Ça ne pose en aucun cas un problème ça. Mais par contre que le jeu ait des gros problèmes de lag, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est un peu ce qu'on demande à un jeu, que le jeu il soit jouable. Et avoir des gros problèmes de lag, soit par un patch, soit parce que les développeurs n'ont rien à carrer du tout du jeu. Oui, parce que ça arrive ça aussi, hein, donc... Non, c'est...
Moi maintenant je en veux. Ouais, je vais dire vraiment ce que je pense au jeu. Je en veux parce que j'en demandais pas beaucoup au jeu, faut être honnête. Je demandais pas beaucoup. Plutôt au jeu ou quand on patch un jeu. Aimable, fourbe, humble. Un peu âgé, je suis désolé. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai oublié de me marier avec une courtisane. On va se marier avec elle. J'ai oublié de perdre du prestige, donc tant pis. Donc, voilà, ce minimum-là, moi je le demande dans un jeu. Je le demande. J'exige même hein, dans un jeu. Moi, quand je prends un jeu, c'est le minimum que je veux. Voilà, on reprend à piété que j'ai le prestige, l'argent, voilà maintenant ce que je gagne. Je fais dans la grande cité de Tortoise, voilà, je vous laisse lire ces événements là, ce que c'est. Voilà, ici ça sert plus à rien qu'on en ait. Donc voilà, c'est vraiment un minimum que je demande à un jeu, et pour moi quand on respecte pas ce minimum, on peut honnêtement leur dire honnêtement, votre jeu n'est pas normal, vous moquez de nous. Moi je trouve que c'est tout à fait honnête en plus. On achète un jeu. Un jeu, ça coûte quand même cher hein, de nos temps. Les développeurs ne vendent quand même pas un prix si élevé que ça parfois. Plutôt dans le sens où ils le vendent parfois trop cher. Il y a vraiment moi j'ai envie de dire vraiment une manière en fait d'amener le jeu. Quand c'est un jeu on n'attend rien, c'est vraiment par exemple un jeu. Les personnes qui le développent, tu vois, ils sont tout seuls, ils ont pas de fond, tout ça, c'est justifié. Et d'ailleurs le plus souvent les jeux des développeurs indépendants sont souvent d'une qualité supérieure à ceux des développeurs habituels. Et c'est ça que je... C'est ça que je reproche, c'est que parfois maintenant il y a des sociétés qui s'en fichent, mais royalement. Je prends l'exemple, là c'est l'exemple quand même le plus flagrant, je prends Sega avec Shogun 2 Total War récemment. Je suis désolé de parler à un autre jeu, avec Rome 2 Total War, excusez-moi. Je m'excuse de parler de cette société-là. Le jeu est sorti en... est ressorti récemment. Et même pas quelques mois plus tard, ils vendent un DLC, une nouvelle campagne, à 15€. Déjà de 1, une campagne à 15€ qui en propose moins que celle de Shogun 2 à 8€, je crois, de mémoire, quand je l'ai acheté, moi, à l'époque. D'accord. Je trouve que le prix est trop élevé. De 2... aussitôt après la sortie d'un jeu, on se moque de qui là? Non, honnêtement, je suis d'accord, on peut me sortir l'excuse. Ah mais voilà, il propose un truc de qualité. D'accord. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Est-ce que c'est une raison de vendre de sortir un DLC quand le jeu de base est encore totalement planté? Voilà, c'est ça que moi j'ai un peu de mal à digérer avec certains développeurs. C'est que des gens nous vendent des jeux. C'est même plus nous vendre des jeux, nous escroquent, faut dire. Moi je le dis honnêtement. Il y a des développeurs qui commencent vraiment à nous arnaquer un peu beaucoup même. Donc les gens, on nous sort un jeu assez cher. Qu'est-ce que vous demanderiez à un jeu? Je vais poser ça comme ça. Voilà, vous demandez quoi à un jeu? Moi, personnellement, ce que je demande à un jeu, c'est que le jeu soit viable, fluide et jouable. Pas buggé.
qu'à ce que les développeurs nous sortent de plus en plus un jeu buggé, non viable, non fluide. Il y a un abus. Et je pense que tant que les personnes... Moi je m'en suis rendu compte et je suis pas seul à m'en rendre compte, donc voilà. Mais personnes qui ne s'en sont pas rendu compte, ça a posé un gros problème. Dans le sens que... Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, parce que ces personnes-là, c'est bien sympa, ouais, on peut se plaindre, d'accord. Mais vous faites quoi vraiment consciemment les gens-là? Vous achetez sans rien dire, vous taisez ou... J'aimerais comprendre. En fait, ce que je veux dire, j'aimerais comprendre votre raisonnement. Pourquoi vous faites ça? Parce que mine de rien, il y a des trucs à souligner qui doivent être faits ou qui ne sont pas faits. Donc ouais, ça, c'est toujours le cas, ça sera toujours le cas. Hein. C'est véridique, c'est la vérité. Bon. Mais n'empêche qu'il y a des trucs quand même qu'on peut demander. Quoi, ils détiennent mes proches en otage. Ah bon. Je garderai ça plus tard, tant pis pour cette guerre conclue. Donc voilà, je vais en finir quand même avec là-dessus. On peut sortir les excuses qu'on veut sur un jeu. Les excuses qu'on veut. Ça, c'est pas grave. Mais il y a un minimum à assurer en prestation derrière un jeu. À la fin de la domination carangienne, c'est un français occidental de plus en plus qu'on est sur une sous le nom de Royaume de Germanie. Voilà. Donc voilà, c'est bon, ouais. Moi je veux dire... D'accord, je peux attaquer à papoter... T'as le Royaume de Norvège, je peux aussi, tiens. Allez hop. Donc voilà, j'ai dit honnêtement tout ce que je pensais de sur sa vie-là. J'ai dit ce que je pensais de ce que font les développeurs avec notre argent. Je pense y avoir été suffisamment brutal avec eux pour que vous compreniez ce qui ne va pas du tout dans le système actuel. Et je pense honnêtement qu'il est temps pour vous de... Je vais être méchant là-dessus, mais sortir un peu les... un peu vos doigts. En tout cas, pour ceux qui n'essayent pas de s'intéresser, qui n'essayent pas de faire quelque chose. Vraiment pour eux, ces personnels doivent vraiment se bouger parce que... Si vous voyez, bientôt, comme c'est parti maintenant, ça m'étonnerait pas qu'on ait des jeux à 70, 80 euros à sa... immédiatement à sa sortie, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pas grave, ça c'est pas encore attendant. Donc voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc je vous laisse réfléchir dessus. Hein. Je vais arrêter d'incendier tout le monde parce que je pense que je vais lancer incendier. Là. Donc comme là dans notre jeu, ben malheureusement ça arrive les fins d'un empire. Donc notre paternel Abel le Grand a conquéré beaucoup de terres, faut le dire. Et est mort en héros. Donc en son honneur, bah, on va continuer ce qu'on pouvait faire. Hein. Donc voilà, c'est... Tu peux revendiquer le comté d'Ovierto, d'accord.
forêt. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je m'en excuse encore une fois de mon coup de gueule, mais bon, fallait que je fasse. Je m'occuperai de créer des petits duchés, de m'occuper de tout ce qui est problème là avec les successions hors vidéo. Ça évitera que vous soyez embêtés par ça. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Je vous dis passez une bonne fin de journée et vive le jeu vidéo.